Okay, so we're already a little bit late and we have great presentations, so I am going to fly through this first part and just give you a little bit of an introduction over the last couple years of where we've been working in DHIS2 in the space of... Nous avons plusieurs présentations, donc je vais commencer avec cette présentation que vous voyez à l'écran. Donc ici, c'est là où plusieurs pays ont commencé avec le DHIS2 comme base d'indicateur pour la surveillance, parce que pour eux, c'était naturel d'avoir toutes les informations. Donc, voilà comment est-ce que cela a commencé. Il y a plus de 41 pays à l'heure actuelle ont commencé à l'utiliser. Il y avait 21 avant la COVID et maintenant, il y a 41 au total après la COVID-19. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez la boîte à outils de l'OMS qui prend en compte les seuils, les alarmes et également les métadonnées de la part de l'OMS qui prennent en compte 15 pays pour ce qui est de la standardisation. Également, il y a plusieurs autres modes. Les pays utilisent une combinaison de ceux-ci pour avoir ce dont ils ont besoin. Mais maintenant, quand on repart au guide, on voit qu'il y a certains piliers qui ont été oubliés par rapport à l'émergence de la COVID-19. Les pays ont commencé à renforcer leur fondation, ils ont commencé à faire appel au numérique et ont vu que le SIMR est très important. Les pays sont ici et ils peuvent dire combien de fois est-ce que le DHIS2 est efficace pour ce qui est de la surveillance dans les pays. Et maintenant, les partenaires comme CDC, l'ISP Africa, qui ont mis en place un système continental pour la surveillance des données. Ceci est en droite ligne avec les autres systèmes et les outils, y compris le EIOS de l'OMS. C'est l'intelligence épidémique pour l'open source. Tous les pays travaillent de concert. Par rapport à la préparation et à la riposte, par rapport au cas d'urgence, il y a notre collègue qui est en charge de cela. On en parle depuis des années, mais il n'y a pas toujours de différence entre la routine et les surveillances, parce que la routine et la surveillance vont de concert pour pouvoir détecter les cas rapidement. La question de savoir combien est-ce qu'on a utilisé les DHIS2 pour pouvoir bien faire la riposte. Il y a 39 pays qui ont adopté les DHIS2 comme stratégie de riposte de la COVID-19 et cela prend en compte également la variable des vaccinations pour pouvoir répondre au bon moment. Également, il y a des gens qui ont adopté DHIS2 comme le SIMR national et récemment, en 2022, ils ont utilisé ce système de reporting d'SMS pour les travailleurs de la communauté et le public qui était au courant pour pouvoir bien gérer les signaux, avoir les signaux en très tôt et s'assurer qu'il y a un triage approprié pour que chaque responsable puisse avoir l'information comme cela se doit pour que peut-être les agents de l'ambulance puissent pouvoir détecter les cas et les isoler pour mieux les traiter. Maintenant, par rapport au Sri Lanka, il y a quelque chose de très important qui a été fait avec la COVID-19 et DHIS2, c'est qu'ils ont commencé à faire le tracking. Ils ont utilisé DHIS2 comme un système extensible pour pouvoir incorporer d'autres variables. Il y a la capacité d'être en réseau et également, on peut ajouter de nouveaux acteurs pour collecter les données et les intégrer dans le système. En Ouganda, on a plusieurs kilomètres de frontières terrestres. Donc, il fallait trouver le moyen de régler le problème parce que c'était une urgence pour éviter que les gens puissent venir dans le pays comme ils veulent et apporter des maladies. Le DHIS2 pour le suivi des rumeurs, ça, c'est le cas de Mozambique. J'ai compris que pour le suivi des rumeurs, c'est une question très sensible. Dans ce cas spécial, c'est une question de compréhension pour faire le suivi des rumeurs, comprendre les types de communication dont on a besoin avec les différents acteurs. Maintenant, il y a la question
des perspectives. Le suivi des rumeurs est très important pour les surveillances basées sur ces outils. Donc, on essaie de voir les outils génériques et penser à comment les gérer de la meilleure des manières. Maintenant, on a de nouveaux acteurs comme le CDC des États-Unis et d'autres experts qui travaillent pour voir ce que les autres pays ont fait pour mieux comprendre comment est-ce qu'on peut mieux aider les travailleurs au niveau communautaire. Donc, en fait, on est en train de tisser notre corde sur l'ancienne, au bout de l'ancienne, pardon. Donc, on travaille avec le FAO, les pays qui comprennent les questions de la santé humaine, la santé animale, etc. Et nous avons des initiatives par rapport au climat et faire la surveillance des maladies qui ont un lien avec le climat. Et tout ce qui nous concerne, c'est une question de triangulation dans le système. C'est pour être efficace et efficient. Quand vous avez une centaine de plateformes, vous n'avez pas les ressources pour gérer les 100 plateformes, ça veut dire que vous avez des données fragmentées un peu partout. Donc, on voit avec les différents acteurs pour voir comment est-ce qu'on peut mettre ensemble tous les acteurs à développer des tables de bord de triangulation et faire des campagnes. Des fois, quand on essaie de faire, on gère la situation, on commence maintenant à lancer les campagnes. Donc, tout est imbriqué. Par rapport à la surveillance de la mortalité, ça fait partie du système de surveillance parce que ça a été utilisé durant la COVID-19 pour faire le calcul des morts. Il ne faut pas penser à agir seul, mais il faut toujours travailler en collaboration. Donc, ceci étant dit, je passe la parole à ma collègue pour continuer. Merci, Rebecca. Je vais commencer avec cette grande thématique parce qu'on ne peut pas passer toute une semaine à parler de la surveillance et une autre pour parler de suivi, etc. Merci, Rebecca, de l'introduction. Je vais demander au frère de CDC d'Atlanta qui va donner la présentation par rapport au logiciel de surveillance par rapport au virus. Merci beaucoup. C'est bien d'être ici. Merci pour la présentation. Je travaille au CDC aux États-Unis pour la protection de la santé mondiale, comme Rebecca l'a déjà dit. Nous travaillons avec plusieurs autres agences pour les packages de surveillance dans le DHS2. Ça fait partie de notre boîte à outils et je vais en parler aujourd'hui. So as a little bit of a background, we have a five-year. Donc, je peux dire qu'on a 5 ans d'accord de coopération avec l'université d'Oslo pour trouver les outils dont on a besoin pour la surveillance. Donc, le but, c'est de pouvoir intégrer la surveillance de la santé humaine et la santé animale en formalisant les différents outils dans le domaine. Le but de cet outil, c'est de pouvoir donner aux différentes ressources animales de la surveillance et des ressources pour ce qui est de l'infrastructure qui est disponible également pour le secteur humain dans les différents pays. Donc, on est en train de bâtir une structure de surveillance des maladies dans tous les pays. On ne veut pas des choses différentes dans tous les pays. Donc, c'est pour cela qu'on est en train de mettre en place cette structure de surveillance dans tous les pays qui serait harmonisée. Et nous avons vu des lacunes et des besoins qui ont fait que nous avons mis en place ce projet. Et peut-être vous connaîtrez ce dont il est question parce qu'il y a la communication informelle dans tous les secteurs, le manquement dans les investigations
et il y a peu de rapports par rapport au scénario d'épidémie. Et donc, avec ce projet, on espère pouvoir numériser la communication qui existe déjà pour que ce soit plus formel et prendre en compte la communication entre les secteurs. On espère pouvoir également partager les données avec les uns et les autres pour ce qui est de l'investigation. Vous savez, ce projet, pour le moment, se focalise sur l'intégration de la santé humaine à la santé animale, mais il y a plusieurs autres secteurs qui sont tout aussi importants comme la santé de tous les êtres dans le monde entier. Mais nous nous focalisons d'abord sur ces deux secteurs pour le moment. Et ce qu'on doit prendre en compte dans la boîte à outils, c'est un projet qui est en cours. Le projet n'est pas encore achevé. Donc, la boîte à outils n'est pas encore disponible. Nous travaillons pour le moment sur les tables de bord, la visualisation, les cartes, les analyses, les éléments de données minimum, les exigences en matière de reporting, les notifications et le partage de données. Donc, on essaie de se focaliser sur la notification et le partage des données qui est très, très important dans les secteurs. Et également, nous allons ajouter la collecte de données et les outils d'investigation dans cette boîte à outils. Alors, voici un diagramme pour un peu visualiser comment est-ce que ce boîte à outils va entrer dans les systèmes de surveillance dans les pays pour orienter comment est-ce que le secteur animalier est surveillé. Et vous êtes familier avec les autres outils qui sont utilisés pour le moment et les autres organisations. Et à droite, nous avons le secteur humain et le secteur de la santé humaine. Et vous voyez en bas qu'il y a le DHIS2 et son module qui est pris en compte. Tout ceci correspond aux exigences du DHIS2, ce que le DHIS2 supporte déjà dans les autres pays ou ce que le DHIS2 prend déjà en compte dans tous les pays. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous cherchons. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse s'occuper des questions de la santé animale et de la santé humaine, prendre en compte les exigences de reporting et prendre en compte les dispositions que DHIS2 nous offre. Déjà, le but de ces outils, c'est de pouvoir mettre ces outils de surveillance au niveau national et au niveau international pour partager les données avec tous les acteurs. Comme j'ai dit, nous collaborons avec la FAO. Et il y a des structures de surveillance que nous voulons intégrer. C'est d'abord le système de la FAO. Vous voyez la page qui est juste à droite. Ils ont une infrastructure similaire à DHIS2. Et il y a également un système de surveillance national et des bases de données nationales qui sont des propriétés des pays généralement. Donc, voici les événements que vous pouvez, qui sont pris en compte, qui sont affichés sur l'écran par rapport aux données de tous les pays et les lieux où on a besoin d'intervention. Nous collaborons également avec eux par rapport à la boîte à outils générale et les projets de tous les pays. Donc, ils ont l'expertise technique également par rapport à la santé animale. C'est pour cela que leur présence est cruciale pour ce projet. Et également, présentement, nos collaborations avec l'Université d'Oslo et l'organisation RIS pour pouvoir mettre en place un réseau global, pour pouvoir mettre en place un logiciel qu'on peut modifier et
Également, nous sommes en train de prendre en compte les boîtes à outils et les paquets du DHIS2 et rendre cela accessible sur la page web du DHIS2, nos collaborations avec d'autres développeurs pour créer ces logiciels qui sont disponibles à tous les pays pour qu'on puisse ensemble implémenter cela et avec les projets des pays. J'ai parlé des projets des pays plus tôt, donc on veut mettre en place quelque chose qui est utile à tous les pays. C'est pour cela qu'on a besoin de comprendre les besoins au niveau local, au lieu de créer quelque chose depuis des bureaux sans savoir la réalité du terrain. C'est pour cela qu'on s'est engagé dans des projets pays, comme c'est le cas en Tanzanie. Cela a commencé il y a de cela un an et on est en train de voir les résultats. Donc, la mission de ces projets de pays, c'est de comprendre les procédures de surveillance dans les pays par rapport aux situations de santé dans les pays, voir les lacunes, identifier les meilleures pratiques également, et comme je l'ai dit, utiliser les leçons tirées pour pouvoir créer un outil mondial qui sera efficace dans les pays. Donc, on a visité la Tanzanie l'année dernière en septembre pour comprendre leurs besoins. Et on a utilisé les outils de la FAO et du DHIS2 pour voir la structure de la santé dans le pays et voir les relations avec les officiers du pays, les partenaires comme les RISP dans les pays et les différents organismes ou des membres du gouvernement qui sont impliqués. Nous avons appris que, premièrement, le pays continental a une plateforme de surveillance et on ne voulait pas interférer avec ce qu'ils avaient déjà sur place. Donc, on a vu que c'était magnifique, on les a soutenus. Mais pour le Zanzibar, ils ont plus exprimé leurs besoins pour ce qui est du partage des données et l'interopérabilité entre les outils des HIS2 et les outils de la FAO. Et en Zanzibar, on a compris que ces outils de la FAO et les officiers de la FAO, les officiers, pardon, du pays sont formés par rapport à l'utilisation de l'outil FAO, de l'outil des HIS2 pour le SIMR humain et la surveillance et de la santé animale. Donc, ils étaient d'abord en train de communiquer par papier et par téléphone. Donc, on a essayé de numériser ce système de communication. Donc, nos partenaires de HISP ont continué les prochaines étapes avec différents systèmes pour pouvoir créer des logiciels qui sont disponibles et comprendre les interactions entre les différents outils, car il est très important de développer des logiciels qui sont utiles pour les différents acteurs. Maintenant, il faut piloter un mécanisme de notification répondant aux besoins de surveillance et recevoir un retour d'informations pour l'élaboration d'une boîte à outils mondiale. Donc, récemment, le mois dernier précisément, nous avons eu un atelier avec plusieurs agences. Je crois qu'il y a certains participants ici. Nous avons travaillé pour pouvoir conceptualiser l'utilisation de l'architecture de la boîte à outils DHS du One Health en tant que plateforme de surveillance. Et nous travaillons sur les mécanismes de partage d'informations de ces différents outils. Vous pouvez voir cela sur cette diapo qui est affichée. Le but à cet atelier, c'était pour pouvoir développer des paramètres pour le partage d'informations. Premièrement, c'est de s'assurer que la communauté puisse avoir les informations de même que les officiels nationaux.
Et ce mécanisme qui a été créé par nos développeurs, c'est que c'est un partage d'informations unidirectionnel et les notifications basées sur les événements. Et l'information qui est partagée, c'est qui est impliqué, est-ce les animaux, les humains, quelles sont les informations de contact, donc est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est un événement unique, quel est l'événement, qu'en est-il des questions de juridiction, où est-ce que cela a lieu et quand est-ce que cela a eu lieu. Le but numéro 2, c'est de mettre en place un système de reporting et c'est différent du but numéro 1. C'est aussi une question de partage d'informations, mais ici c'est bidirectionnel. C'est pour permettre l'investigation jointe entre le secteur de la santé animale et également le secteur de la santé humaine. C'est une question qui est à prendre en compte à l'avenir. Donc, pour ajouter à ce qu'il y a dans le but numéro 1, nous travaillons également pour développer le système bidirectionnel et avoir un outil qui est fiable pour tout un chacun. Maintenant, pour ce qui est des leçons tirées, c'est que même si certains pays qui ne sont pas encore concernés par ces projets pays, c'est d'organiser des conversations intersectorielles pour identifier les lacunes dans les processus de surveillance, quelles données doivent être partagées, comme la communication intersectorielle qui est idéale. Donc, quand on connaît les données qui doivent être partagées, on peut continuer à savoir comment mieux surveiller les questions de santé et comment y répondre de manière plus efficace. Je crois que ça aidera vos pays. Et quand vous recevrez cette boîte à outils à l'avenir, vous pourrez faire l'implémentation de manière effective dans votre pays. Merci. Merci beaucoup. Le prochain présentateur vient de l'Indonésie qui va présenter leur expérience au niveau pays. Bonjour à tous. Je m'appelle Taufik de l'Indonésie. Je veux partager quelque chose avec pour le DHS2, spécialement sur l'impact de la surveillance animale sur l'intégration. On aimerait parler de la zoonose ici, spécialement comment est-ce qu'on a utilisé le logiciel pour au niveau national et infranational. Depuis 2016, nous avons reçu le soutien de plusieurs donateurs par rapport à comment mettre en place un système de surveillance de la zoonose en Indonésie. En 2016, nous avons eu 3 demandes de 3 ministères. Premièrement, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement et de la Forêt pour gérer les cas de zoonose. Ensuite, on a pris en compte les fonctionnalités des 3 applications pour que cela devienne une seule application par rapport à la zoonose. Donc, ceci est très, très important pour les activités qui devraient aider les uns et les autres à entrer les données des animaux de la santé humaine et les autres facteurs à prendre en compte. Depuis 2018 environ, nous avons eu le soutien de l'Université d'Oslo pour pouvoir mettre en œuvre le système de la zoonose. On a travaillé à l'Université d'Oslo pour mettre en place le DHS2, qui sera l'application de base du système national. Alors, vous devez savoir que le DHS2 en Indonésie est agrégé dans le système national.
Depuis 2020, c'est difficile pour nous, pas seulement à l'Indonésie, mais dans le monde. Donc, nous avons transformé la zone rouge qui a été prise en compte. C'était difficile de pouvoir implémenter les systèmes d'information par rapport à la zone rouge et nous avons vu que pour pouvoir tracer les cas contacts, c'était plus large dans le domaine de la zone rouge pour avoir accès également aux données. Ce que nous avons pour le moment, c'est qu'en 2021, nous avons connu des pas en avant par rapport à ce qui existait sur le terrain. On a fait des efforts supplémentaires. Vous savez, il y a une ville à Bali, arrière, qui utilise un système. Donc, on a utilisé cette application tout dans cette zone. C'est le DHS2, évidemment. Nous avons utilisé Zonosis, qui est notre système, non seulement pour le ministère de la Santé, mais également pour plusieurs autres ministères. Donc, il y a 260 utilisateurs actifs qui utilisent l'application Zonosis ou l'application de la zoonose. C'est quoi les points qui sont pris en compte? Il y a 8 tableaux de bord pour 8 cas d'utilisation pour l'anthrax, entre autres. Désolé, je ne suis pas du secteur de la santé, mais voilà les informations que vous pouvez voir à l'écran. Il y a plusieurs domaines qui sont pris en compte. Nous avons fait les tests dans ces différents domaines depuis l'est de l'Indonésie, dans une ville de Jakarta et plusieurs autres zones dans le pays. Nous avons le résumé des métadonnées qui prend en compte plus de 1524 éléments de données, 53 indicateurs, 9 éléments de package de données. Il y a plus de 13 000 organisations, unités d'organisation qu'on peut voir à l'écran. Donc, le package, le DHS2, devait être utilisé pour le secteur local parce que les éléments nationaux sont vraiment grandioses. Par rapport aux éléments de données, il fallait prendre en compte le contexte local et également les langues locales. Voici un exemple que vous voyez sur la capture d'écran à droite par rapport à la gestion des éléments de données. Vous voyez l'établissement de santé, le point de l'activité également. Dans le DHS2, on essaie de valider les différents domaines. Voici les datasets. Il y a plusieurs, comme vous pouvez les voir à l'écran. Et nous avons fait les tests dans la zone de Bali. Maintenant, voici un peu l'historique des indicateurs par rapport au DHS2 en Indonésie. Les défis, c'est que on a des ressources très limitées en matière de santé publique. Donc, notre préoccupation depuis l'année passée, c'est que on a utilisé des gens qui viennent des universités locales qui sont intéressés par la santé publique et la zoonose. Donc, on les a impliqués pour qu'ils utilisent notre système et nous avons tout fait pour qu'ils puissent ressentir l'importance de ce système pour leur travail. Vous pouvez voir ici, quand vous mettez en œuvre la boîte à outils mondiale, comme les indicateurs, il faudrait faire de la traduction en langue indonésienne. C'est très important pour les métadonnées et en Indonésie et l'Asie du Sud-Est en particulier, en général, pardon. Depuis 2020, je crois, on a planifié d'améliorer l'application de la zoonose en Indonésie.
il y a plusieurs provinces, 34, plus de 500 districts, plus de 12 000 établissements sanitaires pour s'occuper des différents patients et également nos villages, 347 villages qui ont également pris en compte ce logiciel. Vous ne pouvez pas imaginer, ce n'est pas facile en Indonésie, mais bon, on a tout fait pour avoir les meilleurs données. On a utilisé Denpasar, qui est une... Pardon, je veux dire que Denpasar est une ville de la province de Bali. Et nous sommes partis là-bas pour pour mettre en œuvre le système d'information sanitaire, surtout pour le One Health, c'est-à-dire la santé pour tous. Voici l'interface avec l'interface utilisateur du DHISE chez nous. Et voici comment est-ce que cela s'affiche. Voici l'information qu'on a retirée du DHISE. On a plusieurs informations par rapport à la rage, les types d'animaux, les cas, les genres et les différents cas de personnes ou d'animaux qui sont atteints de rage. Voici les données que vous pouvez voir en bas. Maintenant, sur la capture de camp à droite, vous voyez la réalité dans le pays. Donc, c'est quoi notre réglementation précisément à Denpasar? Nous avons mis en place des domaines particuliers où il faudrait se focaliser. Il y a la question de l'infection de la zoonose de 2024 à 2024. On va essayer de se focaliser non seulement sur la zoonose, mais également sur le paludisme, la grippe aviaire et les autres maladies que vous voyez à l'écran. Donc, l'équipe de l'Indonésie a soutenu les réglementations qui sont mises en œuvre dans le pays. Maintenant, le programme de zoonose à Denpasar, cela explique comment est-ce qu'on utilise les données du DHSE également pour l'utilisation au niveau local. Ici, nous utilisons les informations par rapport au cas de la population, les animaux, également pour faire le traçage des animaux positifs à la rage, et également en prise en compte le volet de vaccination. Maintenant, autre chose en Indonésie, c'est la question de l'intégration des données. Et l'intégration des données, c'est par exemple que le fait qu'il y a plusieurs applications qui sont prises en compte depuis plusieurs années, à part des donateurs comme l'OMS, USAID, et il y a tellement d'organisations qui nous ont soutenus. Donc, nous, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut intégrer les données dans l'application avec le système d'information, comment on peut les catégoriser selon les domaines. Donc, on a utilisé le système d'information pour la rage dans le DHIS2. Et on a essayé de grouper les activités de surveillance en différentes unités. Je crois que je peux m'arrêter ici pour l'Indonésie. Voici les chiffres. Voilà le site qui est affiché en haut. Et voilà un peu ce qui se passe au niveau local chez nous. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much, Taufik, to share your experience for strengthening animal surveillance and health integration in the Merci d'avoir partagé ton expérience. À présent, nous allons voir l'évaluation de
de surveillance basée sur le cas de la part de notre collègue de Sierra Leone. Merci beaucoup. Good morning, everyone. Bonjour à tout le monde. Je vais parler de quelque chose d'un peu différent. Ce n'est pas l'implémentation d'un système, mais plutôt son évaluation. Je m'appelle Georges Odongo. Je suis un scientifique, un académicien dans le secteur de la santé, dans le département de la protection sanitaire mondiale. Ce que nous faisons, c'est promouvoir les objectifs de notre département, aider les pays à collecter les données le plus rapidement possible, interpréter les données, les analyser et puis faire la riposte aux épidémies. Nous travaillons avec beaucoup de pays et puis et surtout les ministères de la santé. Et centre ISP pour aider et utiliser les outils disponibles dans les pays et transformer afin de collecter les données très rapidement et améliorer la disponibilité des données en temps réel. Je vais être très concis et très rapide et je vais vous donner un peu de contexte. Vous avez déjà vu cette carte. Si vous êtes habitué à voir, à travailler avec DHS2, je vais vous parler des unités sanitaires dans le pays. Nous avons plus de 1 400 unités sanitaires publiques, un laboratoire public national et puis des 108 zones. Pourquoi DHS2? Comme je l'ai déjà indiqué, nous aidons les pays à utiliser les outils disponibles avec lesquels ils sont déjà disponibles. Sierra Leone, ils ont commencé à utiliser le DHS2 en 2008 comme un système de gestion des formations sanitaires pour saisir les données mensuelles. Il y avait quelques défis, mais plus important, après l'épidémie d'Ebola 2013-2015, nous avons constaté qu'il y avait un besoin de renforcer les systèmes. En 2016-2019, il y a eu une collaboration avec les partenaires. Et nous avons pu personnaliser le système national pour collecter les données sur 27 maladies. Et donc, c'était vraiment, ça a constitué une base pour nous pour commencer à mettre en place un système de surveillance basé sur les cas. Beaucoup de pays utilisaient des systèmes électroniques. Mais en Sierra Leone, nous avons commencé à utiliser les tablettes pour collecter ces données et nous avons développé une application personnalisée avec laquelle on pouvait envoyer des SMS. DHS2 a adopté ce système et puis nous avons, en 2017, nous avons introduit ce système de surveillance basé sur les cas de maladies. C'était basé sur le modèle sud-africain, le modèle tracker. Et après la pandémie d'Ebola, il y a eu une collaboration avec ISP Afrique de l'Ouest pour aider les pays à s'améliorer par rapport au système de données. Donc, Sierra Leone faisait partie des pays qui ont bénéficié de cette collaboration. Avec 2020-2021, pendant la pandémie de COVID-19, nous avons vu les avantages de ce système de surveillance basé sur le cas et le pays l'a adopté.
dans le cadre de la riposte contre le COVID-19 pour la gestion des données pour les analyses, mais aussi avec la gestion des systèmes de vaccination. Le centre ISP a développé un paquet générique. Si là, on était vraiment en avance par rapport aux autres pays. On n'a pas comparé, on n'a pas dû personnaliser quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est le même concept. Il y a l'étape de notification et puis les étapes de programme, et ainsi de suite. C'est le programme Tracker. On a parlé de l'adoption en 2017 et en 2018, il y a eu une annonce par rapport au système Tracker et c'est en Ouganda que nous avons piloté une activité d'implémentation. Nous avons conduit cette étude pilote ou ce test et ça a aidé à améliorer les fonctionnalités dans le système Tracker. En 2018, nous avons commencé à conduire des études pilotes et nous avons développé le concept et nous avons amélioré les systèmes initiaux. Et puis, donc en 2018, nous avons amélioré les systèmes qui étaient en place et c'est l'avantage d'avoir des fonctionnalités améliorées. Nous les avons testées dans 4 districts. Et puis, nous avons commencé à planifier le déploiement en 2020, mais malheureusement, on a été affecté par la pandémie de COVID-19, mais le même système a été adopté dans le cadre de la riposte contre le COVID-19, et ça a aidé les établissements nationaux entre août 2022 et janvier 2021. Aujourd'hui, c'est utilisé non seulement pour envoyer des notifications, mais pour également atteindre d'autres objectifs. Alors, je parle de l'évaluation. Voilà les objectifs. Il fallait évaluer la mesure dans laquelle il y avait l'intégration des systèmes de surveillance basés sur les cas. Les systèmes électroniques, il fallait déterminer la performance des systèmes, son utilité, et quelques attributs. Et ici, je dois dire que ce n'était pas du tout une évaluation vraiment intensive des systèmes d'information. Ce n'était pas vraiment une évaluation d'analyse croisée. C'était juste pour nous aider dans le cadre de la mise en œuvre, essayer de nous améliorer. Nous avons essayé d'élucider les facteurs qui entravaient ou qui facilitaient l'intégration des systèmes de surveillance basés sur les cas. Et il fallait aussi connaître le rôle de DHS2 dans la surveillance des maladies et les opportunités d'amélioration. Comme je l'ai déjà indiqué, c'est une carte avec laquelle vous êtes habitué. Nous avons sélectionné 8 districts en se basant sur le taux de rapport. Il y a des districts qui font un bon travail, il y en a qui ne font pas un bon travail. Et il y a 5 établissements sanitaires qui utilisent régulièrement les systèmes électroniques de surveillance des maladies. Et puis, le taux de rapport entre janvier et juillet 2022 en surveillance des maladies. Et puis, il y a eu aussi l'implication des laboratoires régionaux et un laboratoire national de référence. La collecte de données, il y avait beaucoup de méthodes, la méthode quantitative et la méthode qualitative. Donc, les deux méthodes ont été utilisées. La collecte de données a eu lieu en août 2022. Je vais parler des résultats, des défis et les leçons importantes que nous avons tirées. Il y a beaucoup de résultats. Je vais me focaliser sur les résultats clés
qui pourrait vous être utile. Maintenant, par rapport à, aux compétences des ressources humaines, on a parlé de l'utilisation des données et des infrastructures. Avant le déploiement, on se demande comment vous allez former plus de 1500 participants. Nous avons adopté une approche à trois volets. Nous avons formé les premiers participants qui ont formé les autres et qui, les deuxièmes ont formé et ceux qui se trouvaient au niveau des établissements sanitaires. Donc, il y a une formation formelle, plus ou moins formelle, et il n'y a pas eu de formation dans ces établissements sanitaires, parce que voilà, la personne qui devrait former les gens était soit absente, soit n'était pas à même de le faire. Et nous avons constaté que le renforcement de capacité des équipes et des districts, c'est vraiment une bonne chose parce que ça apporte du soutien à tous les niveaux, surtout au niveau des districts. Donc, les établissements sanitaires, avant de s'adresser au niveau central, ils contactent d'abord ceux qui se trouvent au niveau des districts et comme ça, ça réduit le coût et le temps. Donc, avant de demander de l'aide du niveau central, ils s'adressent d'abord aux districts. Donc, nous avons eu des informations vraiment très riches. Et il y a des personnes qui ont vraiment apprécié et les données qui ont été collectées, la qualité. Et on a utilisé les tableaux de bord et pour générer les rapports, non seulement pour des fins sanitaires, mais aussi pour d'autres objectifs. Infrastructure. Et donc, après la pandémie d'Ebola, il y a beaucoup d'infrastructures avaient de tablettes à cause de cette pandémie d'Ebola et ça nous a facilité la tâche d'implémentation avec la surveillance basée sur les cas. Alors, il y a 39 établissements sanitaires qui utilisaient les tablettes. Il y a 7 qui ne les utilisaient pas. Il n'y avait pas de problème d'électricité parce qu'il y a des établissements qui étaient connectés au réseau électrique national et d'autres qui étaient connectés, n'est-ce pas, au groupe électrogène. Donc, l'électricité n'a pas vraiment constitué un problème. Par rapport à la couverture d'Internet, elle n'était pas bonne, la couverture. Environ la moitié des établissements sanitaires avaient vraiment accès à une connexion Internet stable. Il y a aussi des établissements sanitaires qui n'avaient pas du tout accès à Internet et il y en a qui avaient accès à un Internet de mauvaise qualité. Donc, il y a des données qui étaient envoyées mensuellement avec les tablettes et le problème, c'est que il y en a qui recevaient les données et d'autres qui ne recevaient pas les données. Alors, voilà l'aperçu des attributs. Il y a beaucoup de personnes qui ont indiqué que le système est très facile à utiliser et facile à naviguer. Il y a un personnel de la santé qui n'a pas vraiment de compétences en informatique. Il n'y a pas eu de problème de téléchargement ou de chargement. Il y a des personnes qui ont dit qu'ils ont appris vraiment très facilement à utiliser ce système. Donc, c'était facile à utiliser, facile à naviguer, et l'accès était facile. Mais voilà,
Pour moi, il y a des couleurs qui sont un peu différentes. Il faut des rapports vraiment en temps réel. Comment le système a aidé à envoyer des notifications opportunes? Nous avons sélectionné 146 maladies, nous les avons analysées, nous les avons comparées avec les établissements sanitaires. Autant qu'ils utilisent le système, il y a des établissements sanitaires qui maintenaient ce système et qui se connectaient environ 60% ont envoyé des rapports au même jour. 17% ont envoyé des rapports entre 2 et 7 jours après. En général, plus de 76% des maladies sur lesquelles il fallait faire un rapport, les rapports ne sont pas revenus au destinataire dans 7 jours. Certains éléments qui n'ont pas du tout fait l'objet de rapports, et il y en a qui ont fait l'objet de rapports un mois après. Par rapport à l'exhaustivité des rapports, je dirais que les dossiers dans le système, on utilise NMS et le taux c'était de 77%. Si vous enlevez le mois de janvier, vous savez, c'est après les fêtes, et après le mois de janvier, donc voilà. Si on enlève le mois de janvier, on constate que les oxydivités étaient de plus de 80%. Donc, voilà les défis. Ce sont des défis habituels, problèmes de connexion Internet, problèmes de compétences, ainsi de suite. Et les leçons qu'on a apprises, les systèmes électroniques de surveillance jouent un rôle important. Et ça envoie des notifications opportunes et ça a rendu le travail facile. Et puis, c'est aussi une plateforme de partage de données, d'utilisation des données à tous les niveaux. Et le personnel des établissements sanitaires ont embrassé, ont compris la valeur de l'utilisation des outils électroniques. Personnes qui ont bénéficié d'un renforcement de capacité ont essayé de former les autres par rapport à la surveillance des maladies et sur les crises. Et les autres facteurs qui affectent l'utilisation des outils numériques, c'est beaucoup plus au niveau des politiques gouvernementales. Des fois, il n'y a pas de plan d'avoir des tablettes. Et une autre chose, même si nous mettons en place des systèmes de gestion des formations, il faut dire que nous avons besoin des systèmes auxiliaires. Il faut, par exemple, un système pour suivre de près les tablettes, suivre de près le personnel de la santé, voir si ils ont changé de poste. Si vous avez, par exemple, envoyer quelqu'un qui est formé, il faut aller dans un autre voir si tout le monde est formé. Donc, c'est difficile de suivre de près les différents problèmes des établissements sanitaires. Donc, si vous avez un système qui aide à suivre de près ce genre de problème, ça aide beaucoup dans la prise de décision. WhatsApp joue un rôle important. On essaie de tirer profit des technologies comme WhatsApp et ça aide beaucoup. Des fois, il y a le personnel des districts qui nous a dit qu'il y a des screenshots qui sont pris et qui aident à comprendre les problèmes qui prévalent dans ces districts. Alors, nous aimerions remercier le ministère de la Santé et de l'assainissement en Sierra Leone
J'aimerais aussi remercier le réseau d'épidémiologie, le réseau africain d'épidémiologie, mais aussi le programme des systèmes d'information sanitaire d'Afrique du Sud. Et merci à tout le monde. Thank you very much, George. So, continuing in line with the event-based survey. Beaucoup, Georges. Nous allons continuer avec le système électronique de surveillance. Je vais inviter un autre présentateur qui va nous parler du cas de la Tanzanie. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Mkomwa. Je suis un développeur. Malheureusement, je dois m'excuser, je ne suis pas dans le domaine de surveillance, mais au nom de mes collègues, je vais présenter le travail que nous avons abattu en améliorant les systèmes électroniques au sein de la Tanzanie. Et c'est sur la surveillance des événements. Donc, il s'agit ici d'une surveillance électronique des événements. Qui, n'est-ce pas, utilise DHS2. Donc, en Tanzanie, nous avions déjà commencé, nous avions développé un système électronique de surveillance qui se basait sur des indicateurs et qu'il fallait collecter des données hebdomadairement pour soutenir les efforts de riposte. Mais nous avons commencé à migrer vers la surveillance basée sur les événements. C'était pour s'assurer d'avoir des rapports sur ce qui se passe dans les communautés et contribuer pour l'arrêt précoce et la riposte. Donc, les alertes venaient de la communauté, des établissements sanitaires, mais aussi d'autres sources comme Scan Media, les call centers. Donc, il y a 199 call centers au sein de la Tanzanie, les centres d'appel. Donc, jusqu'à très récemment, on n'avait pas de composante de surveillance basée sur les événements dans le système. Il y avait des alertes et des rumeurs qui étaient collectées manuellement à partir du niveau communautaire et du niveau des établissements. Maintenant, avec l'année 2021, le ministère de la Santé de la Tanzanie, en collaboration avec le laboratoire DHS2 de l'Université de Dar es Salaam, nous avons commencé à implémenter la surveillance basée sur les événements pour nous aligner avec les directives de l'OMS. En résumé, voilà la composante qui montre comment ça fonctionne. Et nous faisons appel aux membres de la communauté qui envoient des rapports aux établissements sanitaires. Et puis, ces derniers vont essayer de trier, vérifier si les données sont bonnes. Et puis, ils vont notifier le niveau supérieur. Les données peuvent aussi venir des districts ou des régions. Il y a aussi les centres d'appel. Maintenant, au niveau des centres d'appel, il y a un autre système qui collecte des messages et des appels de la part du public. Donc, nous avons intégré la composante du système de surveillance basé sur les événements avec le call center ou les centres d'appel. Donc, ça se complète. Il y a aussi la gestion des crises qui inclut le suivi des contacts, ainsi de suite. Alors, ce que nous avons fait avec ce système, nous l'avons intégré avec les centres d'appel. Il y a des messages qui sont envoyés par le public s'il y a un problème. Et puis, le message est envoyé à la composante du système, mais aussi pour les agents communautaires. Nous utilisons l'application Android
qui comprend des indicateurs de surveillance, plutôt des surveillances basées sur les indicateurs, surveillance basée sur les événements, mais aussi surveillance basée sur les cas de paludisme. Il y a également DHS2, une application personnalisée web qui peut être utilisée pour produire des rapports et aussi vérifier pour le compte de ce système. Donc, voilà, vous êtes habitué à ces différents aspects. Donc, il y a d'abord, il faut détecter les alertes et nous devons trier et voir si on peut garder les alertes les plus importantes, les plus pertinentes. Et puis, il y a aussi les vérifications. Et ils font une communication avec les établissements sanitaires. Et on doit aussi mener une enquête. Donc, voilà. Ici, nous devons faire appel au cas de surveillance basée sur les indicateurs. Ça a déjà été déployé dans 6 régions. D'abord dans Ngorongoro, où une étude de pilote a eu lieu. Peut-être on veut voir les animaux ici, les lions. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous pouvez venir nous visiter. Donc, l'étude de pilote a eu lieu à Ngorongoro. Et une grande partie des activités ont été menées sur les animaux. Plus de 300 utilisateurs ont été formés pour produire des rapports sur les rumeurs, les alertes et les autres événements sanitaires. Donc, ils ont été formés pour pouvoir utiliser l'application Android. Donc, pour conclure, nous pouvons voir que le système de surveillance basé sur les événements a le potentiel de renforcer le fait d'avoir des informations à temps, surtout pour ce qui est de la détection des crises et la dissémination des informations. Ça soutient aussi le partage croisé des données avec les systèmes de surveillance, d'autres systèmes de surveillance, par exemple la surveillance des animaux, pour pouvoir atteindre les objectifs sanitaires. Par exemple, une grande partie des alertes dans le district de Ngorongoro sont liées à la santé animale. Et voilà, donc ça pourrait être le cas. Donc, la perspective d'avenir, c'est la même chose. Et, voilà, et le système peut être intégré avec les initiatives sanitaires dans le coin. Nous essayons aussi de déployer ce système sur toute l'étendue du territoire. Et voilà. Donc, nous aimerions aussi renforcer les capacités par rapport à la production des rapports, à l'utilisation des données, à leur analyse au niveau des districts et au niveau des régions et même au niveau national. Donc, il s'agit ici d'une composante de tout un écosystème. Ça couvre des cas qui sont signalés au niveau des États. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour pouvoir finaliser la gestion, la composante sur la gestion des crises. Et donc, pour pouvoir gérer les crises, le suivi des cas dans un seul écosystème qui utilise DHIS2. Donc, je dois remercier mes collègues de l'Université de Daslam, de l'équipe Université de Daslam DHS2, et mes collègues du ministère de la Santé, mes collègues de MDH, mais aussi mon collègue de CDC. Donc, le centre de contrôle des maladies en Tanzanie. Merci beaucoup. Donc, il y a un problème technique avec
Donc, maintenant, nous allons vous inviter à poser les questions. Je vais inviter les présentateurs à venir ici pour pouvoir répondre aux questions qui seront posées. Je vous remercie. Nous pouvons aussi vérifier au niveau du chat et en ligne pour voir s'il n'y a pas de questions. Ne soyez pas timide. So thanks for the presentation. My question is on the last presentation on event-based surveillance, because it's my area at WHO. So you mentioned most of the rumors that you receive, at least for the time being, is animal-related. So once you collect that data from the Android phone, is there a way currently where you can relay it to the next level? Because you said the triaging and verification is done by the community health worker. So most of our community health workers don't have training specifically for animal health related alerts. So I just want to know how you relay the alerts, which are considered related to animal health, goes to the next level. Thank you. I'll try to answer that. Je vais essayer de répondre à la question concernant la transition des alertes vers le niveau supérieur. Maintenant, par rapport à l'étude de pilote, il y a des alertes sur la santé humaine, mais une grande partie des alertes, c'est par rapport à la santé animale. Et pour le moment, nous n'avons pas vraiment d'expertise par rapport à la surveillance animale, c'est surtout la surveillance humaine. Donc, mais il y a le potentiel pour ces alertes, afin que ces alertes soient, n'est-ce pas, transférées vers la surveillance des animaux. Maintenant, par rapport à la vérification, dans ma présentation, j'ai dit que le tri n'est pas fait par les agents communautaires. Et l'objectif des agents communautaires, c'est de produire des rapports. Maintenant, c'est au niveau des établissements sanitaires que le tri est effectué. Maintenant, comment cela est fait? Et donc, les alertes sont là et puis le personnel sanitaire au niveau des établissements essaie de vérifier et puis il y a des notifications au niveau supérieur. Je pense qu'il y a des initiatives pour pouvoir lier cela à la surveillance des animaux, comme ça, un autre aspect, pour répondre aux alertes sur la santé animale peut continuer. Il y a une présentation qui nous vient de l'Ouganda qui pourra peut-être nous donner plus d'informations. Donc, toutes les présentations seront disponibles. Donc, prochaine question. Ma question, c'est pour Jauge. L'évaluation que vous avez effectuée en Sierra Leone, si un pays aimerait faire une évaluation similaire, est-ce que ces outils sont disponibles? Est-ce qu'on peut vraiment accéder à ces outils et comment on peut faire cette évaluation? Pourquoi l'Ouganda a conduit une étude de pilote, mais nous aimerions vraiment étendre ce que nous avons fait. Mais il faut d'abord faire l'évaluation de l'étude pilote avant de pouvoir étendre cela au niveau national. Je vous remercie. Donc, vous pouvez poser une deuxième question avant de continuer. Merci beaucoup pour vos présentations. Je voudrais poser la question au présentateur Sierra Leone par rapport au rapport en temps réel. La proportion est encore très faible par rapport au rapport en temps réel. Alors, j'aimerais savoir pourquoi le taux de rapport en temps réel est vraiment très bas. Et maintenant, j'aimerais aussi savoir ce que vous avez recommandé pour pouvoir améliorer votre travail afin que les gens puissent produire des rapports au moment opportun. Merci beaucoup pour les questions. D'abord, par rapport à la disponibilité des outils, merci. Je sais quelque chose par rapport à l'implémentation de ce système en Ouganda. Vous avez
Et nous avons développé les outils selon les directives du Centre de contrôle des maladies pour pouvoir évaluer les systèmes d'information dans le cadre de la riposte aux maladies. Nous avons développé nos outils à partir de zéro, mais nous avons aussi emprunté des idées. Donc, nous avons partagé cela avec un pays qui se trouve en Asie centrale. Et nous sommes en train de développer un outil de collecte de données beaucoup plus standardisé. Il y a aussi des leçons que nous avons apprises lors de l'évaluation qui vont nous aider à améliorer l'outil. Comme je travaille avec l'Ouganda, ce sera vraiment facile. Donc, il n'y aura pas de problème de partage. Donc, nous avons vraiment quelque chose à partager. La deuxième question, c'était par rapport aux raisons du taux qui est bas, le taux de rapport opportun qui est vraiment bas. Donc, les rapports qui arrivent au moment opportun. Alors, je vais essayer d'expliquer. Ils ont pu produire des rapports à l'échelle de 60% le même jour, et puis 70% de rapport en une semaine. C'est seulement 3% de maladies qui n'ont pas fait l'objet de rapport au moment vraiment opportun. Donc, les raisons qui pourraient expliquer cela, c'est il y a un facteur au mois de janvier. Vous savez, au mois de janvier, c'est juste après Noël, après les fêtes. Donc, si on met de côté le mois de janvier, le taux monte par rapport à l'exhaustivité des rapports. Le taux devient plus de 80% en matière d'exhaustivité des rapports. Voilà. Donc, c'est vraiment satisfaisant. Donc, c'est pas du tout bas. C'est pas du tout bas. C'est un ton qui n'est pas bas. Non, par rapport à la notification, par rapport aux maladies, pour nous, nous aimerions qu'ils puissent envoyer des notifications en 24 heures. Maintenant, ça dépend du type de maladie. Maintenant, s'ils prenaient 7 jours, pour moi, je pense que c'est pas du tout positif. Maintenant, s'ils vont au-delà de 7 jours, c'est pas du tout assez. Donc, nous voulons qu'ils puissent produire des rapports beaucoup plus rapidement, envoyer des notifications beaucoup plus rapidement. C'est peut-être cause de notre désagrégation. Donc, je pense que si on change de méthode, on pourra vraiment avoir les données à temps. C'est pas encore à 100%, mais je pense que c'est pas du tout mal. Voilà, c'est mon opinion. Merci à tout le monde pour les présentations. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura beaucoup de sessions. Donc, je vais poser une question à Bill. Nous avons parlé de partage de données entre secteurs. Est-ce que vous avez présenté? C'est très intéressant. Maintenant, j'aimerais savoir à quoi cela ressemble. J'aimerais savoir si ça se passe au niveau national. Est-ce que les systèmes sont intégrés? Est-ce que le partage de données se passe à quel niveau et comment? Est-ce que tous les secteurs peuvent avoir accès à des données, par exemple de l'instance DHS2? J'aimerais savoir comment les informations sont partagées. Est-ce que c'est seulement c'est à partir du niveau national et ça peut aussi avoir lieu au niveau des districts? S'il te plaît, essaie de partager avec nous la manière dont les informations sont partagées à différents niveaux. Le mécanisme que nous avons développé lors de l'atelier, c'est un mécanisme unidirectionnel. C'est soit un utilisateur initiateur de DHS2 ou dans notre outil,
Ce sera une case à cocher dans les documents de rapport, et avec ce case à cocher, ils vont dire est-ce que c'est cette maladie qui doit être notifiée, et puis ce sera une notification qui sera envoyée une seule fois à ce secteur avec toutes les informations qui sont demandées selon les pays. Et puis, la notification bidirectionnelle, c'est différent. C'est tous les secteurs pour y accéder, c'est plus compliqué, surtout avec les restrictions d'utilisation de données. Ça va varier d'un pays à un autre, mais l'objectif, c'est avoir quelque chose où, lorsqu'il y a un cas suspect, il y a une notification qui est envoyée, et puis avec les résultats qui confirment ce cas, il y aura beaucoup de notifications, mais c'est une seule plateforme à laquelle on pourra accéder, et ainsi, y compris le niveau communautaire. Mais pour le moment, c'est le mécanisme unidirectionnel entre secteurs, c'est quelque chose qui est là. C'est un mécanisme qui a été créé et qui s'est la pilotée, et on espère que ce sera utilisé pour atteindre le deuxième objectif. Nous avons, il y a quelque chose, si vous entrez dans DHS2 avec des scénarios, ça doit correspondre, c'est personnalisé, ça doit correspondre à tel ou tel pays. Il y a un risque avec des informations qui ne correspondent pas au contexte national. Donc, il doit y avoir ce processus pour voir ce qui constitue une alerte qui devrait être notifiée à un autre secteur. Il y a des pays où il y a des systèmes de surveillance basés sur des indicateurs, comme ça a été présenté en Tanzanie. Et je pense que dans le cadre de DHS2, je pense que voilà, on peut partager les informations peuvent être envoyées à d'autres systèmes, et nous avons vu que dans certaines architectures, comme au Burkina Faso, il y a des initiatives vraiment phares de USAID. Et il y a des outils DHS2, surtout au sein du ministère d'Agriculture, ministère de l'Élevage, ministère de l'Environnement. Et ces ministères essaient de partager les données, mais c'est encore au niveau agrégé. Donc, c'est une opportunité de continuer à exploiter. On va voir comment on peut vraiment continuer à les soutenir. Je ne suis pas en train d'ajouter quelque chose, mais j'aimerais dire que voilà. L'une des raisons que j'ai oublié de vous donner, c'est avec les cas qui ont été signalés un peu tardivement, hein, si on enlève le mois de janvier, il y avait un problème d'Internet. Ça ne veut pas dire que cette maladie n'a jamais été signalée. Des appels téléphoniques ont été faits, et voilà. Et ça a pris du temps, mais les cas ont été signalés. Mais sans l'accès à l'Internet, les agents ont quand même appelé le personnel du district sanitaire. Et puis, voilà, le personnel est venu et a essayé d'enquêter sur ces cas. Je viens de l'Afrique de l'Ouest, bureau de l'OMS, et je vais poser une question au représentant du Centre de contrôle des maladies et par rapport à l'outil que vous proposez. Depuis 2017, nous avons essayé de développer
une surveillance intégrée, surtout des maladies humaines et animales. On a essayé de respecter ce qui avait été fait au niveau de l'Organisation internationale pour les animaux, mais avec le travail intégré qui est en train d'être fait, je pense que voilà, c'est très bénéfique. Et maintenant, si l'atelier qui aura lieu la semaine prochaine, j'aimerais savoir si vous allez utiliser l'outil que vous nous avez proposé ou non. Il y a eu un atelier au mois de juin sur un outil de santé. J'aimerais alors savoir si les mêmes outils ou d'autres initiatives parallèles seront utilisées à la prochaine occasion. J'espère avoir compris la question. Maintenant, je vais donner une réponse qui est courte. Des initiatives parallèles constituent une réponse courte à ta question. Personne de notre équipe va participer à cet atelier à la fin du mois de juin avec le même outil. Il y a cependant des initiatives parallèles qui sont en cours. Parfait, merci beaucoup de votre participation. Si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours rencontrer les présentateurs et poser vos questions. Merci beaucoup.